Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 47e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version écarlate, la suite du DLC, en tout cas la découverte de la première partie du DLC, le masque turquoise qui est sorti, bah maintenant on peut dire hier, parce que du coup on est déjà le lendemain, mais voilà, je viens à peine de le découvrir. Le premier épisode est en mode coolos, hein, début de découverte de DLC. En vrai, ce que j'ai découvert jusque-là, bah, c'est pas incroyable, hein. Alors après, la région qu'on explore actuellement est assez grande, on va dire, mais bah, rien de très surprenant. Il y a eu deux combats au début contre des PNJ, puis des combats de dresseurs, mais bon. Pas incroyable, hein, pour l'instant, on va pas se mentir, mais peut-être que si le scénario se construit, puisque actuellement hein, on nous a donné comme but de dire des pancartes hein, quand même. Très très belle quête hein. Ah c'est le sable d'Evo d'Alola ça. Oh regardez le charpentier. Le charpentier qui vient de passer au travers et le sol qui s'ouvre sur nos pieds. Ah franchement ils ont pas changé hein, ça. Hein. Du monstre qui s'appelle le roi. Ah, t'as eu, il était jusque-là. Je sais plus, à vrai dire, j'ai pas complété le Pokédex dans les versions. Je m'en fous un peu. Ce qui est vraiment triste quand même hein, dans ces versions, c'est que bah, au-delà du renouveau, on va dire, de la licence dans ce jeu et l'exploration, bah, une fois que t'as fini le jeu, le post-game, y a rien qui t'incite à revenir sur ce truc. Jusqu'à ce qu'on ait ce DLC, mais il y a rien alors qu'il y a d'autres versions avant, plus anciennes, où t'avais des raisons de revenir. Beaucoup de choses qui déçoivent. Hein.
Quoi, il revient au combat. Ça sert à quoi, mec? Mais t'avais fouiné de nul avant. Fouinard, nul après, ça change rien, mon gars, hein, tu sais. Fouinard, c'est un des pires Pokémon de la Voie lactée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il a 3 Pokémon. Je vois pas à quoi ça sert, hein. Bon, bah, tu m'expliqueras peut-être après. Bah oui, évidemment, tu t'attendais à quoi au niveau des dégâts, espèce de con? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce mec? Yanmar, ah, lui, tu l'as pas fait évoluer, va. Bah, niveau où il est, il aurait pu être un petit Yann méga. Bon, c'est la chute là. Il va te tuer, mon gars. Ça sert à rien de me recombattre si tu sais pertinemment que tu vas perdre encore, je veux dire. Ta team est de la merde, tétard. Tu veux me tuer avec tétard? C'est même pas Tartare, c'est Tétard. T'avais la flemme d'aller chercher la pierre pour ou la roche royale, je sais pas. Mec, quoi. Putain. Oh, y'a plein de il y a tout compliqué ça, wesh. Alors que c'est pas aux géants, quand même. Ça sert à rien, mec. Arrête de me combattre, je te jure. Hein. Vraiment. Ne me combat plus. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Encore une fois, hein, ça sert à rien. Là, c'est suicidaire ce que t'as fait. Ah bah, c'est continue comme ça. Mais il n'avait pas déjà pu. Il n'avait pas déjà utilisé ma carte avant, je sais pas. Bon. Peut-être pas, enfin. On est obligé de se coltiner ce mec-là. Vraiment. Chimpanzé est cassé. Bah, faut revenir là, quoi. Ah, c'est le grand-père. On va dire tout. Pas le choix, puis les propositions de plus.
Apparemment, il a l'air tellement blasé du cul. Tellement enthousiaste. Ça fait des visages. Je crois que je vais vous prêter des tenues Jinbei. Oh, il y a Jinbei qui est bien dans le... qui s'est incrusté dans Pokémon. Oh, bah Jinbei, ça fait longtemps. C'est parce qu'il y a la série One Piece en ce moment ou c'est comment? Peut-être que ça doit avoir une signification japonaise, je pense. Je sais pas laquelle. Oh putain, c'est quoi cette équipe? Oh putain, la vache! C'est quoi ça? Oh, et la coupe de cheveux, tu te fous de ma gueule! Ah non, putain, qu'est-ce que c'est que ça? La carte élégance verte, c'est quoi ça? Permet. Juste pour me fraguer? S'en fout. Qu'est-ce que s'en fout? Oh non, putain. Chacun son masque. Non, toi aussi. Ah bah oui, le frère m'a fait le coup, alors toi. Mais ça sert à quoi là? On peut pas passer à autre chose. Je vais continuer ces personnages de merde à chaque fois. Ah, il y a Morphéco. Ouh là là, le retour de Morphéco. Génial. Ah oui, j'attends que tu m'écrases la pomme de chaud, effectivement. Ah, t'as 4 Pokémon, toi. Au revoir. Quoi? À quel moment ça tank, wesh? Avec le coup critique, il a tanké, quoi? Mais wesh. Ah, il avait la ceinture forte. Ah oui, j'étais en train de me dire, oh là là. J'étais sûr. Ça peut sous cette forme, mon attaque signature ne sert à rien. Et en plus, à plus 1, il est dépassé. Ah, je suis en mode, ouais, le coup critique qui le voit de chaque face. Couverture! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce Pokémon. Je l'avais complètement oublié ce Pokémon, tellement il est nul. Bon, bah, c'est le talent de le sortir ce truc-là. Hein. Ouais. Ah, il s'est juste péter la gueule à sa place pour ça. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Grayena. Hein. Bon. On n'attendait pas un Grayena. Hein. Et on va balancer la l'absinthe sur Grayena. Bah, non, si ça ignore du coup le moins en attaque que j'ai. Ah, c'est pas possible. T'es
C'est effroyable. Ah, c'est l'évolution de... de Polchagès de mer, là. Alors, ça... alors, qu'est-ce que ça donne? Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je préfère Polchagès, hein, désolé, hein. Oh la vache. Bah, c'est effroyable. Comment dire? C'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas ouf, non. Je sais ce que ça veut dire, donc. Bah merci, je préférais ne pas en mettre. Finalement, qu'est-ce que c'est que ça? Tu gueules, meuf. Non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Au final, la troisième pancarte est... ça va être foutu. De la liesse. Et Escario. Oh, quelle horreur ce... c'est vraiment un Pokémon, ça. Oh, c'est pas possible. Ah, je crois que c'est le pire contenu Pokémon en général. Hein. Et je parle pas de petits trucs, de petits détails ajoutés de base dans le jeu. Hein. Genre des trucs nuls comme laver les badges ou le Pokémato, tout ce que tu veux. Hein. Là, c'est le prix qui équivaut quasiment à un jeu. Hein. Oh, la perche en outil. Bon, ça, c'est pas cool, hein, clairement. Ah non. C'est moi.
Il a vraiment un problème, c'est pas clair son histoire. Putain de pomme d'amour, je suis sûr. C'est pas genre la veille la plus nulle qui est inventée. Mais il est où le mec? La réaction, ça reste entre nous. Relou. Juste relou. C'est ce que je dis. Je dois bien tenir mon coup. Casse-couille. J'ai dû sauter. D'accord. Bon, y a rien ici en fait, hein. Je sais pas trop que... Il est là.
la chasse aux monstres. On va peut-être savoir ce que c'est, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? La chasse aux monstres est un divertissement traditionnel du village de Jade Road. Il consiste à récupérer des baies et à les déposer sur des socles à verre afin d'obtenir le meilleur score possible. Des ballons monstres de quatre couleurs différentes sont éparpillés dans la zone de chasse. Faire éclater un ballon monstre permet de récupérer la baie qu'il contient. Quatre socles à baies de couleurs différentes se trouvent au point de départ. Appuyez sur le bouton A pour y déposer une baie de la couleur correspondante. Déposez le nombre de requis de baies sur chaque socle à baies et c'est gagné. Parfois, des Pokémon gloutons tentent de manger les baies déposées sur les socles à baies. Appuyez sur le bouton R pour les repousser, sinon ils continueront à dévorer vos baies sans relâche. Ouais, un bear récolté. Ok, c'est une sorte de mini-jeu bizarre, mais... Ah, je crois que j'ai gagné, c'est bon. Bref. Bof, bof, hein. Oh non, mais j'ai deux. Ah non. Ah, tu te fous de moi.
ça va. Hein. Le 3. Oh, je vois. On va faire ça pour toute notre vie ou quoi? C'est quoi cette merde? Ah putain. Non. Bon, je suis un petit peu trop lent. Ça me saoule ce truc. Charme XP. Et lui, il marche comme ça. Bon, moi, ça me permet de dégager d'ici. C'est quoi ça? Le touriste. Sérieux.
Il a perdu son masque. Je peux pas faire ça en passant. Masque, tu penses. Oui, c'est un peu terrible. On se doute bien. Elle en déduit ça comme ça, comme si de rien n'était. Serait palpitante sa chaîne. L'aube d'un nouveau jour.
Japon. Je pense. En réalité, les trois Pokémon qu'on prenait pour ces héros, ça va être plutôt l'inverse. Je suis pas allé. Il y a 120 ans, un homme et un monstre, dans un pays lointain, arrivèrent à cette populaire. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Les derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les mêmes. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne trouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de cette montagne. En portant ces masques, l'homme et le monstre ont caché leur visage et se mêlaient aux yeux. Ils étaient de deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village qui se nouait sous leur masque. Ils acquirent une certaine autorité grâce à leur masque qui suscitait l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la reine. Mais la rumeur de l'existence de tels œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Bande de Pokémon amis, ainsi d'éruption à ces temps-là. Ceci se confinait dans le repas de l'homme et du monstre. On tâta de s'emparer des masques qui étaient précédents et s'en allaient. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, sa toute force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des croisés. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il ne trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit dans l'Italie. Il vit les deux Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua, aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Et tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On fut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis, et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre connaissait la présence.
Et donc du coup, après tout ça, on va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, pour l'instant, il y a un petit déclenchement de scénario. On apprend plus sur tout ça. Et donc on verra ce qu'on peut découvrir la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.